Hey, coucou à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Destiny, l'épisode 8. On commence à être plutôt bien avancé dans le challenge et pourtant nos enfants sont encore petits. Parce qu'on vient d'avoir le petit dernier, enfin les petits derniers, mais on a dû s'en débarrasser d'un. Youp, ni vu ni connu, il est parti chez tonton. Donc on a bien trois enfants d'Anémone qu'elle a eu avec Iowa, puis Antonin. Et puis l'enfant que Antonin a eu de son côté, on vit donc dans une jolie petite famille recomposée et on va continuer leurs aventures. C'est maintenant. On retrouve notre petite maison, j'allais dire endormie, mais absolument pas. Camélia rêvée. Oh là là, Camélia a une envie de pipi assez flagrante. Bah allez ma petite choupette. Ah, puis attends, on est samedi 8h. Allez, tu vas prendre un bain. Il n'y a pas école aujourd'hui. Et on a notre petite dernière, Daphné, hein, qui a été sélectionnée par le hasard pour rester avec nous et grandir avec nous et devenir potentiellement l'héritière pour la saison 2. Ça commence à se lever partout, maman. Elle va faire le petit déj, mais on a bébé Daphné qui pleure. Oh bah papa, tu vas te lever. Oh, écoute, c'est comme ça, hein. Faut bien mettre la main à la pâte, hein, les mains dans la merde, hein, comme on dit. Oh mon Dieu. Antonin, tu as des poils au dos, ça va pas aller du tout ça. Non, alors vraiment pas. Affreux. Bon, Anémone, tu pourrais quand même appeler à table, non? Parce que tous les gosses ont faim en fait. Voilà, comme ça tout le monde va déjeuner en famille. Déjeuner en famille où tout le monde discute, fait connaissance. C'est très mignon. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Oh, notre petite fille, Camélia. Elle fait la vaisselle, c'est beau. Bon, il y avait ça dans les poches de Bleuet. Donc, on va les virer aussi, hein. Parce que les spaghettis, je sais pas pourquoi il avait ça, mais c'est pas grave. D'ailleurs, tu vas les nettoyer, mon grand. Alors, comment va Daphné? Bah, elle va bien. Ok, super. C'était rapide pour t'en occuper, ma belle, dis donc. Mais qu'elle est belle et douce dans ses jolies couleurs, ma petite Anémone. Il y a un move... c'est l'éclate, là, pour la famille. Dis-moi, tu bosses aujourd'hui? Je sais plus. Non, elle bosse pas. Et tu vas pas boire. Je voudrais bien lui faire un cours ou du yoga, mais il pleut. Donc ça, c'est un peu chiant. Oh, la foire de Finch Week. On pourrait aller à la foire. Pour les enfants et tout, ça va être sympa. Allez, go, on va à la foire. Ah, bah ok. Bah, il pleut encore plus. Oh, super, la foire. Puis c'est la foire aux poules. Et aux vaches. Bon, les vaches, c'est cool. Ok, bah, on va rentrer, en fait. Allez, hein, vous allez pas prendre... Oh là là, va dans les buissons, t'as raison. Ah, le soleil revient déjà, mais quel plaisir. Ça, c'est bien. C'est même pas la foire aux poules, c'est la foire aux lamas, là, aux laine de lama. Il y a même pas de bestiaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants? Ils vont admirer un tas de poils. Oh, bah alors, ça, c'est la meilleure. Regardez qui on a ici, une Jacqueline. Oh là, Jacqueline, elle est en... Enceinte. Oh, Jacqueline petit cul. Elle s'est mariée avec les petits culs en plus. Oh là là. Dingue. Non, Bleuet, non, Bleuet, non, Bleuet. Tu vas t'arrêter. Non, Bleuet, non, Bleuet, non, Bleuet. Tu vas t'arrêter ou je te trip. Mais Bleuet. Mais... Ah, tu vas... Eh. Discipliné, sévère. Je viens de lui hurler dessus déjà. Bleuet, ça va pas du tout là. Tu vas finir en empalé, hein. Tu nettoies. Sale gosse. Oh, dis, qu'est-ce qu'elle est canon, notre Agnès la dentelle, dans cette partie, dis donc. Ah là là. Dingue. Bon, vous avez la version vieille également ici, hein, mais... voilà, et vieille rombière, quoi. Oh, les gosses, regardez, il y a un lama. Trop bien. Oh, c'est bien, Alexandre. Tu vois, il va pas te cracher dessus. Voilà, un lama magnifique, regardez comme il a l'air en forme. Bah oui. Bah tiens, j'avais oublié qu'Antonin, il faut qu'il aille bosser. Et il a peint de commencer cette interaction malicieuse. Allez, on prend un random et on y va. Oh non, Antonin, il est... Oh, il est vanné. Ah bah dis donc, ça fatigue... Ah! J'ai raté l'anniversaire d'Anémone. Mais non, bichette, t'es devenue adulte. Regarde comme Madame la vieille Agnès, elle est heureuse de ton anniversaire. Oh, je suis kécho. Ah, Antonin part au boulot. On va retrouver notre Anémone. Et participation au concours, les enfants. Bon bah, ça aura fait une sortie sympathique, quoi. Les lamas, ça m'éclate toujours autant. Ils sont trop marrants. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on est dehors,
Bon, elle est en colère, mais je sais pas pourquoi vous parlez avec la vieille. Hein. On va peut-être aller au restaurant. Ouais, se balader avec les enfants et tout, sur un petit resto, en petite famille. Voilà. Allez, go. On est donc... Oh! Alors, quand même, peut-être... Tu vas peut-être pas mettre ta robe de mariée. Oh, ils sont tout beaux, nos enfants. Oh, putain, je les ai pas habillés. Pareil? Si. C'est pas des jumeaux, hein, c'est pas grave. On est parti pour aller dîner au restaurant. Restaurant très, très chic, hein, très fancy. Il est disponible dans ma galerie. C'est moi qui l'ai fait en live sur Twitch. En fait, c'est une carcasse des Sims 3 que j'ai reproduit, que j'ai amélioré. Et vous avez un restaurant au rez-de-chaussée, des chambres d'hôtel à l'étage. Et encore au-dessus, vous avez un espace spa salle de sport. Voilà, histoire de faire beaucoup de choses si vous avez envie. Et le cœur avec vos Sims. Bonsoir, jeune homme. Est-ce que je peux avoir une table pour 4, s'il vous plaît, avec 3 petites enfants? Oui, nous avons. Super. Oh, quelle jolie plante, se dit le monsieur derrière elle. Tu m'étonnes. Oh, c'est bien, on a une belle table à côté de l'estrade. On va embaucher un pianiste. Ça va nous coûter 100 boules, mais c'est pas grave. Au moins, on aura un pianiste pour le repas et tout. Ça va être sympa. Super, le pianiste. Il est top. Ça met une jolie petite ambiance. Oh, ça va être l'anniversaire d'Alexandre. Ah bah, dis donc, il va déjà devenir ado. Ah bah oui, effectivement, oui. Ah bah, dis donc. Pas beaucoup de monde dans le resto, hein. Bon, j'avoue qu'il est quand même minuit et demi. Donc, les gens sont déjà partis, je pense. On est les seuls clients. T'es sérieux, toi? Il a renversé la bouffe. J'espère que c'était pas notre repas. Oh non, je crois que la bouffe arrive. Ouais! Youhou! Ouais, alors les enfants, ils ont pris des burgers, des sandwichs, quoi. Elle est contente! Elle est trop mignonne. Voilà, on a fini le repas. Je pense qu'on va, voilà, on va payer l'addition. 45 balles, c'est pas beaucoup. Et on rentre vite à la maison. Rentre à la maison, les enfants, au lit, tout de suite. Et on retrouve notre petite Daphné qui fait beau dodo. Cagoule ou masque? La bande est en crise, la moitié des membres veut porter des cagoules lors du prochain braquage, alors que l'autre moitié préfère des masques de clown. Certains en sont venus aux mains face à cette question essentielle en matière de mode de malfrat, évidemment. En tant que chef de réseau, Antonin doit-il s'impliquer et choisir son camp ou rester à l'écart pour conserver sa neutralité? Non, il faut qu'il s'implique, c'est lui le chef. Il est revenu du boulot, Antonin s'implique et tente de clore le débat dans un duel de danse qui tourne aussi mal qu'on pourrait le penser. La partie la plus effrayante est probablement de voir les malfrats tenter de bouger en rythme. Et le problème n'est toujours pas réglé. Bon bah tant pis. Gagner 136, c'est nul à chier, man. C'est nul à chier, oh là là. Tu vas prendre des restes, quoi que t'es... Non mais mec, en fait tu vas même pas manger, tu vas aller dormir. T'es trop claqué, mon gars. T'es nul. C'est nul, tu gagnes pas, c'est bien ta vie. T'es... Ah ouais, niveau 3, c'est pas terrible. Hein. Oh non, il y a bébé qui pleure. Bébé, tu pleures, et maman, paie parti se coucher. Bébé, tu pleures, papa n'ira pas te parler. Non, non. J'ai hâte de voir ce que sera... À quoi ressemblera la petite Daphné? Est-ce qu'elle aura les cheveux blonds de sa maman? J'ose encore peut-être l'espérer, mais bon. On a eu deux enfants bruns juste avant, donc voilà. Repleure. Il est 8h du mat. On est dimanche, hein. C'est pas humain de nous réveiller à cette heure-ci, Daphné, là. Ça va pas du tout, hein. Sache-le, hein. Bon. Alexandre est déjà debout, c'est le premier. Bon, ça va, il est presque 10h du mat aussi, hein. Waouh, t'as une tenue top momo, toi, pour faire du sport. Incroyable. Adonis qui envoie un texto à sa sœur en la vous voyant. Mais bien sûr, non. Bah non, désolé. Allez, ça se réveille là-dedans. Anémone, ouais. Il faut se lever, là. Bah, tu fais des conneries, tu répares, hein. Dis donc. Pendant que maman fait... Ouais, la cuisine sans essayer de tuer quelqu'un. Du coup, lui, c'est son anniversaire. Ah oui, bah, il clignote. Ok, on va ressortir le gâtal et on va inviter... peut-être la maman, hein, l'ancienne compagne d'Antonin. Oh, tu es mignon, toi, tu parles à ta petite sœur. Ouais, fais-lui pas peur, hein. J'ai cru voir quelqu'un qui faisait des choses bizarres devant la maison. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Antoine Daniel Bohémian, c'est un ami à toi? C'est un ami à... Bah c'est un super ami à Antonin. Ok, pourquoi pas, invite-le. Hein. Quel look quand même, hein, monsieur, je tiens à dire. Pendant ce temps-là, ma belle, elle fait un petit peu de yoga parce que ben, on maîtrise toujours pas. Hein. On est au niveau 7. Bon après, la génération n'est pas encore finie. Maintenant c'est bon, hein, c'est... tout smooth jusqu'à la fin de la saison et en attendant la prochaine génération, quoi. Bon, bah, a priori, il a rayé de sa vie son ex-conjointe parce qu'elle n'apparaît absolument pas. C'est bad. C'est ballot. C'est très con.
Bon, bah, du coup, il va pas y avoir beaucoup d'invités, mais c'est pas grave, du moment qu'on fait l'anniversaire. On ressort le gâteau, hein. Alors, toi, on te connaît pas, mais tu veux rentrer, viens. Ceux qui connaissent peut-être, il s'appelle Kapoor, Samuel. C'est sûrement un des enfants, un des frères de Jaya, du coup, hein. What, ce look horrible, mec! C'est toujours le Antoine Daniel, hein, c'est... Mais il a vraiment un goût particulier pour les vêtements, on va dire. Bon, par contre, Anemone, tu vas peut-être arrêter. Tu vas aller te prendre une douche. Parce que... Voilà. T'as bien avancé, peut-être? Ouais, bof, ça va. On a encore du taf, quoi. Popopo, la petite robe, là, brah. Alors que Daphné se remet à pleurer. On va quand même fêter l'anniversaire d'Alexandre, puisqu'il est à 19h30. Ah, oh, il a déjà soufflé, Ah, mon Dieu! J'ai pas eu le temps. Ça y est, il est devenu adolescent. L'aspiration. Bon, après, c'est pas, il est, sera pas héritier. Donc, on va lui mettre une grande famille. Voilà. Il était geek. Il sera 1, 2 et 3. Créatif. Ok, très bien. À quoi ressembles-tu? Oh, un beau gosse, hein, quand même. Sympa, Alexandre. J'aime bien ta tête. Bon, cette fois-ci, ils vont quand même bouffer le gâteau. Parce que sinon, il risque d'être moisi. Bon, il peut pas durer 10 générations non plus, celui-là. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'il y avait les deux ados, hein. C'était pour qu'ils deviennent super potes avec lui, quoi. Ah, ou pas. Qu'elle est belle, hein. Quelle est belle, notre anémone. Ça me rappelle quand elle était sortie en boîte, là. Ah là là, tout ça, tout ça. Tu as des bisous à ton nouveau amoureux. Ouais. Ouais, il est content, hein, de voir son papa qu'il est heureux avec notre belle anémone. C'est toujours beau à voir, ça. Les familles recomposées, toujours, si ça se passe bien, c'est top. Ah là là, trop d'amour, trop d'amour. Oh là! Oh là! Mais oui! C'est une demande en mariage! Oh, c'est si mignon! Oh, ils sont amoureux! Et bientôt, ils se marieront. Bientôt ou moins bientôt. On verra bien. Mais c'est quoi? Il y a encore des gens qui squattent là devant, là. Non, toi, on te connaît pas. On veut pas t'ouvrir la porte. C'est parce qu'elle est vitrée, la porte, donc les gens, ils se permettent de regarder tout ce qui se passe? Non, mais oh. Oh, bah, dis donc! Ça s'éclate là-haut! Ah oui. Ouais, par contre, qui a cassé la maison de poupée de Camélia? On ne sait pas. Qu'il est gentil, cet Alexandre. Il répare la maison pour Camélia. Ah mince! Daphné pleure, qui est le mieux réveillé? C'est notre anémone. Tu vas t'en occuper rapidement? Bah oui. Ouais, bah elle est encore sous les effets. Et puis, ah, elle est fiancée. Donc, aïe, aïe, aïe. Oh, ça se réveille. 6h! Vous êtes des matinaux quand même, les gars. Allez, bah, je crois qu'en plus, il y a du ménage à faire en bas, les garçons. Qu'est-ce que c'est que ça? Goûter discrètement sur le gâteau pourri? Non, 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 mon fils. Tu vas surtout tout nettoyer. Puis Anemone va reprendre le taf, là, ce matin. Dans 3h, elle commence à 9h. Ah oui, enfin oui, il va être 7h, quoi. Oh là là, il est dans un état, lui. Déjà, tu vas l'épicer avant. Et t'iras te prendre un bain après. Ouais, au moins t'as bien dormi, c'est déjà ça. Ah, ça y est, c'est l'heure pour l'école, pour tout le monde. Eh ben, bonne journée. Oups, j'ai embarqué une chaise. Mais pourquoi on peut embarquer des chaises maintenant? Oh là là, Ayowa qui craque pour Miwa Shimoto. Tu fais ce que tu veux, mon gars. C'est l'heure du taf pour Anemone. Sophie, non, parler de tes fiançailles. Bah oui, maman. Eh oui, maman, eh oui. Bah dis donc. Antonin, il se retrouve tout seul avec la petite Daphné. Qui est d'un calme. Elle va bientôt grandir, je pense. Je sais plus quand est-ce qu'elle est née. Et 784 Simflouz de facture. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, Anemone est rentrée du boulot. 312 Simflouz. Bien, 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 bien. Y a pas de raison, elle va se mettre à méditer, du coup. Pour faire grimper sa compétence. Ouais, si, je crois que je me souviens qu'elle l'évitait déjà. Hein. Trop forte. Bah dis donc, Daphné, qu'est-ce qu'on t'entend? Oh! 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 Elle est blonde! Oh oui! C'est elle, ce sera elle, mon héritière. La meuf. Qu'est-ce qu'on entend? Oui, si tu veux, mais tu me fais tout... Oh, le jeu qui me fait tout planter, là. Je suis tellement sur les fesses. Elle est blonde, petite Daphné! Oh, oh là 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 là, la choupette. Elle va être 1, 2 et 3. Charmeuse. Oh bah oui, elle a tout pour, hein. Petite biche, fais-moi voir un peu ta jolie tête d'amour que tu as. Oh, les yeux. Oh, les yeux verts.
Elle est trop cute. Elle est trop mignonne. Ça, c'est la copine qu'elle a ramenée. Pourquoi t'es en colère, toi? Discuter de son intérêt. Non, tu vas te calmer, Camélia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas discuter un petit peu avec ta copine, avec Claire. C'est très bien. Bon, par contre, ils sont tous avec un truc là. C'est chiant. Allez, tu vas commencer à travailler. Si les autres. Bah, toi, t'as une copine qui est là en vrai. Donc, la copine, elle va être utile. Elle va venir t'aider. Voilà. L'âge adolescent pour Alexandre, hein, il fait hurler la musique. Bon, peut-être Anémone arrête de voltiger. Et puis chacun va travailler sur son projet scolaire. Avec de l'aide, s'ils peuvent en tout cas en avoir. Oh là là, Anémone est en retard. Anémone est en retard, Anémone est en retard. Elle est. Je voulais qu'elle ait quand même un peu bleuée avant de partir au boulot. Mais là, putain, ouais, ça fait 1 heure quoi. Oh, 17 heures. Oh là là. Oh bah Camélia a fini son projet. Trop bien. Tu vas aider ton frère. Bah pourquoi tu travailles plus toi? Allez. Et tu vas demander à la petite aussi de t'aider. Elle a fait un super château médiéval. Ah super bleuée aussi terminé. Allez, voir le projet. Provoquer la réaction chimique. Oh là là, c'est beau. Waouh, c'est beau. Je suis fière de toi mon fils. Ah super, et Alexandre aussi a fini. Génial. Et Anémone est déjà rentrée. Comment ça, Anémone est déjà rentrée? Il est déjà 20 h. Mais toi, tu dois aller. Il bosse? Il bosse? Il bosse pas? Ah, il bosse pas! Super, ce que j'ai dit, il va s'occuper de la petite Daphné. C'est good. Ben, elle est là, la mère d'Alexandre! Tu vas pouvoir l'inviter à entrer? Ah, bon, écoutez, nous, on n'a rien contre elle. Hein. Bonjour, ex-femme de mon nouveau mec. Tout va bien, je suis en palme, mais c'est normal, je reviens du travail. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il va pas bien, hein? Donc, on couche la pitchoune. Faudrait qu'on aille voir à quoi ressemble le petit Doronic, hein, le jumeau qu'on a abandonné chez Adonis. Oh, c'est un petit blond aussi! Oh là là! Oh là là! Oh la vache! Non, par contre, madame, faudrait peut-être pas abuser, vous allez peut-être pas monter à l'étage. Allez, dégage. Non, mais où elle se croit, où elle? Non, mais oh, y a pas de l'abus là! Fais un bisou à sa petite blondinette, puis ben. Ouais, on va vider le pot aussi, parlant de ça. Puis il faudra aller au dodo après. Oh ben non, qu'est-ce que tu fais la tête dans le berceau, biche? Oh là là! C'est bientôt anniversaire de Bleuet, mais non! Bleuet, notre petit? Oh! Dans 2 jours! Oh, un adolescent! Oh là là, déjà. Après l'avoir calmé, une petite histoire trop mignonne. Pour l'endormir pour de bon, comme ça, elle ne casse plus les pieds! Oh là là, de bon matin! Ça a vu le zizi du frère et ça va pas du tout. T'es sérieuse? Mais va prendre une douche, c'est plus rapide. Ah là là. Oh, Anémone commence à travailler dans 1 heure. Va falloir te lever, ma belle. Ah là là, mais elle est dans tous ses états. Elle, en ce moment, c'est la belle vie. Mais c'est bien, elle le mérite. Ah, et les monstres sont partis aussi à l'école. C'est très bien. Alors, la dernière fois, ils ont fait des potes. Là, ils vont réviser. Bonne journée. Allez, go, Anémone. C'est l'heure pour toi d'aller gagner ta croûte. Punaise, hé! La méga beubar, lui! Laisse tomber! Oh, Daphné a faim. Viens la bichette avant qu'on te squeeze. Ah, ce que j'aime cette animation. Je vous le dis à chaque fois. Est-ce que c'est vrai? Quand même! Ah, belle anémone est rentrée du boulot. Elle travaille sans passion, hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta fille? Tu vas lui faire un câlin? Tu vas lui faire des bisous? Oh, par contre, la différence de peau est chelou. Hein. Daphné fait super grise à côté. Qu'est-ce qu'il veut, Yowa? Je n'étais pas contente avec Miwa. Ah, c'est dommage. Je suis triste. Oh, les notes sont en hausse pour les enfants. D'ailleurs, B pour. Ça, c'est bien. B pour bleuet. B pour bleuet, ça va pas du tout. Oh là là. Oh. Et puis, ils ont ramené encore leur copine. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout le monde va regarder la télé avec Bleuet parce qu'il n'y a aucun qui a son divertissement au top, quoi. Donc, pause télé en rentrant. Voilà, les pauvres bichons. Anémone va bientôt retourner au taf. On est bientôt au niveau 8 de sa compétence. Donc, on avance tout doucement. Oh, et Daphné a atteint le niveau 2 du popo. Et ça, c'est cool. Alors, tu vas t'arrêter. Oh, bah, ça va, t'es bien. Je veux pas la remonter, elle a pas besoin tant que ça. Et hop là, le boulot l'appelle. Ah, c'est la combinaison qui change de couleur, c'est magnifique. Ça marche,
Ça a rechangé plusieurs fois. Mais what? C'est n'importe quoi. Si c'est pas tu mignon. Antonin, il a fait une brioche pour les enfants. C'est mignon. Bon, c'est bien sympa les gosses, mais il va falloir faire ses devoirs après, hein. Voilà. Tout le monde se met au boulot. Voilà. De toute façon, Antonin va aller taffer. Là, il aidait Camélia à faire ses devoirs, mais il va aller bosser. Et c'est Anémone qui reprend le relais. Allez, petite Daphné, tu vas faire de jolis rêves. Pendant ce temps-là, tout le monde ira dormir. Et Anémone aussi, elle est claquasse. Et Antonin revient avec 136 boules. Bah, c'est pas terrible. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas terrible, mon gars. Allez, retourne au dodo. Enfin, va dormir tout court, quoi, je veux dire. Ça sera bien. Les cours commencent déjà dans une heure. Chacun se prépare pour l'école. Et Anémone va commencer également dans une heure. Elle va se lever tout doucement. Hop, tiens, tu vas te prendre un petit bain ce matin. Allez, je t'autorise. Sérieusement, dès qu'on touche à un truc, ça casse ici. Bon, bah, à peine sortie du bain, c'est l'heure, hein. Allez, bon courage, ma belle. Pourquoi, Alexandre, t'es pas parti en cours? Allez. Ah bah oui, ça fait 1h20 quand même. Pourquoi tu peux pas aller? Pourquoi il est tout bug? Bon bah il sèche les cours, hein, ça ne marche pas. Il peut pas y aller. Ou il veut pas, je sais pas trop. Mais bon, pour se rendre utile, il répare le frigo. Ah, et puis il y a les toilettes là-haut. Ouais. Allez, comme ça au moins tu seras pas resté à la maison pour rien, mon gars. Quoi, tu trouves pas assez créatif ce fait de réparer les chiottes? Bon, je comprends pas. Ah, Anémone est rentrée, elle a reçu une augmentation. Oh là là, le bonus de 1193, ça fait plaisir, ça c'est bon. Écoute, ton homme vient de se lever, donc poilu comme il est, il va aller à la douche. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es en train de mater le cul de ta femme à la fenêtre. T'as raison. Il y a encore son ex qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut? Ils sont relous, les gens, quand même. Hein. Et les deux petits sont rentrés de l'école. Voilà, voilà. Oh, ça y est, elle atteint le niveau 8 du bien-être. On est bien parti. Oh non, la petite, elle sent la chaussette. Oula! Je pense qu'elle est vénère, hein. C'est vrai qu'ils sont pas proches parce que, bah voilà, mais il veut quand même essayer de faire de la malice sur elle, hein. Juste pour s'entraîner, pour avoir une augmentation, tout ça. Il faut. Mais il s'aime pas du tout. Ah, si, ça y est! Alors? Eh, 118 boules! Ah oui, ça paye bien, hein. Ta mission, Antonin, si tu l'acceptes, c'est de laver le cul de ta petite fille. Oups, 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 oups. À trop faire de yoga, j'ai oublié. Oh, t'as une demi-heure de retard. Alors, c'est bleu, c'est rouge, c'est rebleu, c'est jaune. Et c'est rouge, oui. Ça change toutes les couleurs ici, c'est beau, hein. Et boum, atteint le niveau 5 de la compétence malice grâce à son ex-femme. C'est parfait. Oui, Anémone a encore une augmentation. Oh là là. 100 simflous par heure avec un bonus de 1600. Elle est par contre, elle est... Crevax, Tonin, bon boulot. Et j'espère que... Promotion, hein. Promotion is coming, là, pour toi, là, ce soir. Allez, travaille dur. Ah, non, avant, tu vas lécher les bottes du patron. Ça fera du bien. Normalement, c'est OK pour la petite promotion pour notre Antonin qui se arrivera niveau 4. Là, je croise les doigts. Oui! Bravo, Antonin! Ah là là, quel boss. Bah écoute, on va te remettre d'aplomb. Et puis après, tu pourras te coucher. Oh là là, c'est la fête des récoltes. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'école. Oh non, mais je les envoie à l'école, moi. Pour me les taper toute la journée, moi. Du coup, maman, elle fait des pancakes ce matin. Enfin, presque. C'est l'heure du petit-déj, les pancakes sont servis, messieurs, dames, mesdemoiselles, mesdemoiselles. Y'a que papa qui mange pas parce qu'il dort encore, c'est feignant. Moi je dis ça, ils sont encore là alors qu'il est 9h du matin, presque 10h. Ouais, si, allez, vous allez à l'école quand même aujourd'hui. Je m'en fiche. Vous allez à bosser un petit peu. Ils auront pris le temps d'avoir un bon petit-déj, mais bon, on fait pas la garderie, nous, hein. Pourquoi j'ai deux gnomes faucheuses, là? Ça me fait un peu peur, là. Bon, pour l'instant, ils ont pas leurs yeux allumés, c'est que c'est positif. Grand frère et petite sœur. Trop mignon.
Encore une fois, Alexandre, ça marche pas pour lui partir à l'école. Ouais, là là. Ils ont pas le temps de se retrouver vraiment bien, hein. Ils vont se faire un petit crac-crac dans la douche, là. Parce que, bah, et comme ils travaillent en décalé, et lui, il part quand elle revient et compagnie, c'est un petit peu complexe. Donc là, il y a un peu de time. Et bah, rendons ce time un peu intéressant pour tout le monde, n'est-ce pas, les amoureux? Oh là là, oh là là, oh 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 oh. Eh, viens là, chaton. On verra rien d'autre. Eh ben, apparemment, ça s'est bien passé, hein. Anemone sert les cookies parce qu'on va faire l'anniversaire de Bleuet, qui va devenir un adolescent. C'est pour ça que j'ai eu la flemme de relooker Alexandre et Daphné. Hein. Je les ferai tous en même temps. Ils auront une nouvelle tête pour le prochain épisode, et ça, c'est bien. Donc là, on va faire le Gatals. Yeah. Oh, lui, il met la table. Mais tu es mignon. Mais c'est gentil, ça, Alexandre. Oh là là, tout ça parce que c'est pour son petit frère. Petit frère de l'Alliance, hein, mais un petit frère quand même. Et voilà, comme ça, le gâteau d'anniversaire est déjà prêt pour le retour de Bleuet. Et on va pouvoir inviter tout le monde. C'est parti! La fête va commencer! On a invité Doronique, notre fils que nous n'avons pas vu grandir. Ça va, Donis? T'es venu avec ton petit neveu? Et les parents de Nemon sont devenus des vieux. Voilà. Merde, c'est-à-dire qu'ils ont fait des gosses, mais ils connaissent pas encore les parents d'Anémone. Ça craint. Oh, regardez, il est là! Doronique! Doronique, ouais, c'est vraiment la copie conforme de sa sœur. Il est blond. Ah, les yeux verts sont pas pareils, mais la peau, pareil. Il est trop choupi! C'est quand même en soi une bonne nouvelle que les parents soient vieux, comme ça, ils feront pas de petits frères. De petits frères, petites sœurs, comment ça? T'es hystérique, mec! Putain! Où est-ce qu'il y a un miroir, là, tout de suite? Ah non, j'ai pas de miroir en bas. Oh la vache! Oh, il faut que j'en mette un immédiatement. Vous savez, comme la mort par hystérie me poursuit, tu vas rien dire, tu vas rien faire, tu vas immédiatement... Il va claquer, sinon. Quel enfer. Oh là là, et Iowa est arrivé, également. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, il s'est calmé. Ça en fait du monde, tout ça. C'est cool. Il est où, Doronique, du coup? Il est là, bichon. Oh, t'es trop mignon. Comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé, partenaire volage? Non, 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 non. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es en train de draguer Iowa ou Iowa qui te drague? Mais regardez, oh, regardez comment il regarde. Non, je pense que c'est une bataille de mâles, c'est pas possible. Ayoua, il essaie de faire du charme, mais... non, non, mais t'inquiète, elle n'aime que toi. Elle n'aime que toi. Mais pourquoi vous faites des dramas comme ça tout le temps, les Sims? Pourquoi? Pourquoi? Allez. Alors qu'Ayoua est là. Bon anniversaire, Bleuet! Ça y est, wouhou, c'est l'anniversaire. Il va grandir dehors, bien sûr, comme d'habitude. Bleuet a vieilli. Ah oui, mince, l'aspiration, j'ai pas réfléchi. 1, 2 et 3, il sera morose, ainsi que rat de bibliothèque. Super, super. L'aspiration, elle sera... J'ai enlevé tous les packs, voilà, Batou et compagnie. C'est... Ok, c'est un amour... tout du quartier, là, je sais pas quoi. C'est ça, Sim, originaire de la ville. Bon, on va pas vraiment dire qu'il a grandi en ville, mais... Alors, Bleuet? Oh, la vache. Oh, tu es beau. Si t'arrêtais de faire la gueule. Oh, tu es un beau gosse. Il a peut-être le nez un peu large, mais... Oh là là. Ouais. Profil impeccable. Écoutez, tout se passe bien quand même, hein, dans la maison. Nous avons deux adolescents maintenant. Et ouais. Tout ça, tout ça. Comment ça se passe, la connaissance avec tes beaux-parents, Antonin? Parce que à part parler de mariage tout le temps, je suis pas sûre que vous parlez d'autre chose. Hein. C'est un peu complexe, hein, j'ai envie de dire. Voilà, tu vas les complimenter quand même. Tu dragues personne. Et personne n'a dragué. Non, mais je pense qu'il aime pas Iowa et qu'il veut plus voir Iowa. Donc, attends, je comprends. Hein. Sacrée compétition quand même. Regardez ça, Anemone et son petit garçon qu'elle ne lèvera pas. La tête qu'elle fait, elle est trop chou. On va immortaliser quand même ce petit bout de chou, vu qu'on le verra pas souvent. Voilà, alors envoie des photos de lui. Ouais, ça y est, ça commence à partir. Oh, l'esprit de Dilbert. Bah oui, c'est vrai. L'anniversaire est terminé. Oh! Adonis!
Tu es sérieux? Tu viens de devenir adulte seulement maintenant? Je suis choquée. Non, ils ont les yeux allumés, les faucheuses, là. Ils regardent tous les trois la télé qui est éteinte. Oui, normal. Mon chéri, je te jure avec ma bouche rouge que je ne te tromperai pas. Aïe, ouah, c'est vieux, c'est ancien et on ne s'aime plus. Il a juste voulu jouer avec toi, c'est bah c'est vrai en plus. Il a voulu l'énerver, et bah ça a marché, hein. Ah, on va juste faire un petit crac-crac. Oh là là, il est vénère. Non, c'est bon, il est enjôleur, tout va bien. Et c'est sur cette jolie scène de réconciliation poilue, parce que j'ai vu qu'elle était pas rasée des jambes, que nous, on va se quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, c'est la prochaine fois, et ben, continuera leurs aventures, hein. Les enfants grandiront. Et puis, ils seront interlookés, surtout. C'est ça qui est bien. Amusez-vous bien, les amoureux. Et voilà, les enfants s'agrandissent vite, finalement. Deux adolescents, une enfant et une bambine. Semaine prochaine, le relooking sera fait pour les trois. Et puis, on s'attend à la semaine prochaine pour voir l'évolution de la famille. Et puis, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Attention, hein. Le mot magique de la fin de cet épisode pour dire que vous avez regardé jusqu'à la fin sera le mot tortue. Ah oui, on change de légumes. Maintenant, c'est un animal. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas toujours, hein, bien sûr, le meilleur des soutiens, le bouche à oreille. Parler de ma chaîne, la partager, liker, commenter. Bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.